Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va voir ensemble 5 gadgets à 10€ ou moins. Je sais que ce genre de vidéo vous plaît énormément. D'ailleurs, pour toutes les petites vidéos comme ça où c'est des produits pas trop chers, bah, j'essaie toujours de faire gagner au moins un produit et du coup cette vidéo ne va pas changer des autres. Donc si vous voulez gagner un des produits de cette vidéo, il suffit tout simplement de laisser un commentaire en me disant tout simplement quel produit vous voulez gagner et pour quelle raison. Ça peut être fun, ça peut être sérieux, comme vous voulez, et de partager la vidéo. C'est très très important en ce moment, je vois que YouTube n'envoie pas toutes les notifications, c'est un peu relou. Du coup maintenant j'essaye un petit peu d'augmenter tout ça pour retrouver un peu ce que j'avais avant. Et bien sûr, pour les personnes qui sont intéressées par les produits, sachez qu'ils sont tous disponibles sur Amazon et je mettrai le lien dans la description. On commence avec le premier produit et l'un des plus marrants de cette vidéo. Il s'agit de l'Infinity Cube. C'est un fidget cube, un peu comme les hand spinners ou les cubes que j'ai pu vous présenter dans d'autres vidéos. Le but, c'est tout simplement de vous occuper l'esprit et d'améliorer votre concentration. Personnellement, j'ai trouvé ça plus marrant qu'un hand spinner et qu'un fidget cube classique. J'ai trouvé le concept assez sympa et au final ça prend pas mal de temps pour maîtriser le machin. Du coup ça vous force vraiment à vous concentrer pour bien réussir le geste. Une fois que vous avez maîtrisé l'objet, vous pouvez faire des trucs assez sympas. C'est vraiment un produit cool à 10€. En tout cas personnellement je l'ai trouvé assez innovant et sympa pour le prix. On enchaîne avec un deuxième produit et là ça va être un petit gadget type accessoire. Alors je l'ai commandé mais j'ai pas eu le temps de le recevoir, enfin il arrivait à la poste mais j'ai pas pu le récupérer. Du coup pour ceux et celles que ça intéresse, je le mettrai sûrement sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à me suivre là. Il s'agit d'une Funko Pop mais pas comme les autres, comme vous les connaissez classiques avec la grosse tête. Là c'est un Funko Pop de 15 cm donc c'est assez grand. C'est plutôt stylé à mettre sur le bureau pour toute décoration dans la maison, ça coûte 10 balles. Il représente Captain Plasma. On enchaîne avec le troisième produit et lui aussi est assez fun. Il s'agit tout simplement d'un badge lumineux sur lequel vous pouvez mettre votre message. Alors ce que j'ai trouvé vraiment sympa, il y a deux points. Le premier, c'est que vous allez avoir un aimant. Donc le badge est aimanté, vous pouvez l'accrocher à votre veste, à un chapeau, à tout ce que vous voulez. Et deuxièmement, c'est que le badge est fourni avec un logiciel qui est inclus. En fait, il suffit tout simplement de brancher le badge sur votre ordinateur, d'ouvrir le dossier et à l'intérieur, vous aurez un logiciel installé. Le logiciel ressemble à ça, c'est vraiment très très simple d'utilisation. Il suffit d'écrire votre message ou d'ajouter des petits émoticônes qui sont déjà dans le logiciel et c'est parti, on transfère au badge et le tour est joué. J'ai trouvé le concept plutôt sympa, même si c'est un truc qui est déjà connu pour Noël, pour les fêtes, pour le nouvel an. Je pense que ça peut vraiment être un produit intéressant et c'est pour ça que je voulais proposer. On enchaîne avec le quatrième produit et là on va partir sur de l'outdoor avec le Gerber GDC Zip. Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un petit gadget que vous allez clipser sur une de vos fermetures éclair. Donc moi sur le modèle que j'ai choisi, on va avoir une lampe et un ouvre-bouteille. Donc vous avez d'autres modèles exactement pareil, sauf que vous allez avoir des tournevis, des couteaux, etc. etc. J'ai trouvé le concept assez intéressant pour le prix 9€, ça peut vraiment vous aider en forêt, sachant que la petite lumière, mine de rien, éclaire plutôt pas mal, comme vous pouvez le voir. Et c'est toujours sympa, c'est le genre de truc qu'on va mettre sur sa fermeture éclair, dans sa poche, ou accrocher à son smartphone, qu'on va tout simplement zapper, mais le moment venu, quand on va en avoir besoin, finalement, on va bien être content de le trouver. On enchaîne avec le dernier produit de cette vidéo, et là encore, on va rester dans l'ambiance forêt, sortie, gadget qui peut vraiment vous être ultra utile. Alors, c'est une bouteille isotherme, mais pas une bouteille isotherme classique, là c'est une bouteille à isolation sous vide. L'objectif c'est vraiment de garder vos boissons, qu'elles soient chaudes ou froides, pendant plusieurs heures. De ce que j'ai pu lire des commentaires, ça garde la chaleur ou le froid jusqu'à 12 heures. Alors je pense que arrivé à la 12e heure, le froid c'est quand même atténué, la chaleur pareil, mais l'objectif c'est vraiment de garder le froid ou le chaud le plus longtemps possible. Au niveau de la capacité, on est sur du 500 ml, la bouteille est toute en acier, et si un jour vous en avez marre, sachez qu'elle est 100% recyclable. Et voilà, cette vidéo se termine ici, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à participer dans les commentaires et à partager la vidéo si vous voulez gagner un des produits de cette vidéo. Sur ce, portez-vous bien, à une prochaine vidéo, ciao tout le monde.